sommes devant le 14 PMF à Schiltigheim, qui est une banlieue de Strasbourg. Nous avons réalisé toutes les salles de conférence, le hall, le restaurant, les salles de repas qui sont en bas. Une des plus grosses contraintes, c'était quand même l'esthétique. Il y avait les demandes du client, mais il y avait aussi les demandes d'un architecte qui gérait le feng shui. Donc pas d'angle droit, pas de beaucoup de courbes. On est assez fiers d'avoir pu réaliser tous ces plafonds, les courbes, les billets cintrés, qu'avec de la plaque de plâtre. À l'aide d'une machine dans laquelle nous avons investi, qui permet de fraiser les plaques de plâtre, on organise notre chantier en prenant les plans des archis, leurs demandes, leurs desiderata. On fraise les plaques, on plie les plaques, on les colle, on les amène ici, on les pose, et tout ça dans un temps, je dirais, record. Autour des poteaux, on a réalisé des joints creux qui sont cintrés. Toujours en plaque de plâtre avec notre machine. Du coup, ça s'amène un fini qui est quand même sympa. Ici, nous avons utilisé essentiellement du BR25 pour gagner du temps. Alors, l'emploi du rigitone, ça nous a surtout servi à gérer le côté phonique de la salle de conférence, de l'entrée, le lobby qui est quand même assez important et bruyant. Et du coup, gérer le rigitone avec les courbes cintrées, c'était assez intéressant. C'est un produit qui est assez récent, qui a été mis au point par Pleco et qui nous permet de le poser sans joint visible en tout cas. Et sur des grandes longueurs comme ici, c'est vrai que c'est techniquement plutôt bien, quoi, hein. Les produits chez Pleco, plus la machine, plus la bonne volonté de mes compagnons que je remercie par la même occasion, et la sympathie du client et de l'architecte, ça fait que le chantier a pu bien se passer, et s'est très bien passé dans les délais à partir. Le côté esthétique est quand même sympa, et le fait qu'une petite entreprise comme nous a été retenue pour ce genre de travaux, c'est vrai que ça me remplit de fierté.